Et yo les potes, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide et simple. Vous avez vu dernièrement sur YouTube, il y a eu une alerte pour les gens qui ont activé la notification sur ma chaîne YouTube. Il y a eu une vidéo qui a été publiée, mais qui a été supprimée. Alors aujourd'hui, je vous annonce que la vidéo elle a été supprimée pour une simple raison. Elle était trop longue. Voilà, elle était trop longue et on m'a conseillé de la supprimer et de faire plusieurs parties. Alors actuellement, la partie 1, 2 et 3 sera disponible sur ma chaîne. Pas le même jour, mais je vais tout recommencer et retravailler sur la vidéo. À propos de la vidéo de la Paris Games Week, je suis en train de la travailler toujours et je prévois de faire toujours automatiquement la vidéo, mais actuellement mon PC est en train de crash avec le logiciel. Voilà, ça me prend autant de temps. Oh, je pense que cette année je risque peut-être de m'acheter un meilleur PC, on va voir. Vous le verrez directement en alerte si vous avez activé la notif. Et après, voilà, c'est tout. C'était juste le petit message avant de continuer la suite de la vidéo. Il s'agit de la partie 1 de Call of Duty Black Ops 1 en mode vétéran. N'hésitez pas à liker pour me faire plaisir et on se retrouve dans les prochains jours, la suite de Call of Duty. Ciao, bye bye. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux comme Twitch ou Instagram. Ciao, bye bye. Salut à tous, me revoilà, c'est Jordi au Vitry sur YouTube, parce que oui, ce sera retransféré sur YouTube. Et aujourd'hui les amis, on va se taper la campagne de Call of Duty Black Ops 6 en mode vétéran. Voilà, actuellement vous le savez que chaque vidéo que vous trouvez sur YouTube, vous pouvez venir me follow sur Twitch pour suivre mes aventures. Et j'accepte les abonnés, les follow, les trucs comme ça. J'espère bien m'améliorer assez rapidement. Alors si vous êtes disponible, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne. Et pourquoi pas dans le temps, je vais décider de faire un truc que tout le monde fait et mettre un QR code pour venir pour me faire un don si vous voulez me soutenir. Comme la campagne, je l'ai jamais commencé, on va voir là directement. J'ai pas regardé les vidéos de Skyros ni rien, et je vais découvrir directement avec vous. On va faire trois premières parties. Alors en mode vétéran, je pense que ça va être un peu long pour Twitch, mais si je trouve que sur le cut et les trucs comme ça c'est long, je le ferai depuis YouTube. Petite info, dernièrement j'ai été en stream sur Test Drive, un jeu de voiture. Il y a eu un problème, YouTube n'a pas pu traiter assez rapidement la vidéo, trop long, et enfin on va faire le nécessaire maintenant pour que ce soit moins long. Voilà, alors j'espère que je vais réussir assez rapidement, mais on va voir. Allez, on commence la campagne. Lancement de la campagne de Black Ops, lancement de Call of Duty 6. J'ai pris mon petit coca parce que je bois du coca, et on va voir ça. Voilà, lancement en cours, on connaît le principe de Call of Duty, ça change, voilà. Alors je n'ai pas commencé la campagne, quand vous pouvez voir le générique, il n'y a rien. On fait, obéir aux conventions et on va mettre en vétéran, pas de commando, pas de deuxième classe, et ni recul, parce que le but c'est de prouver qu'on peut terminer la campagne sans l'avoir testé. Allez, j'espère que ça va vous plaire, et voilà. Et pour info les amis, je suis en train de travailler sur la vidéo de la Paris Games Week. Alors vous l'aurez peut-être prochainement, voilà. Là j'avais besoin de lancer un stream, et demain je continuerai à faire le montage de la Paris Games Week. J'espère que ça va vous plaire, sauf que je galère un peu aussi, spécialement à faire du montage. Et parce que mon PC il est plus tout jeune. Alors, au cas où c'est un Alienware, j'espère bien. S'ils peuvent m'envoyer un PC portable assez efficace, mieux en profiter. Ouais. Allez, on va faire passer. Le but c'est d'avancer la mission et de voir. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingston? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, Monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là. Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui?
C'est le nom qu'il vous a donné à la Wii. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, Monsieur Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, Madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. Voilà, 1991, voilà. On dirait qu'Alaoui est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Allez. Il devrait être au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Livingstone a besoin d'Alaoui vivant. Alors si je meurs assez souvent, voilà. Barrage direct au point d'exfiltration. Oui, oui, pas d'inquiétude. 5 minutes. Alaoui est un ministre de la défense. Alors, M4 et ASKV, toi. Encore, encore, voilà. T'as un visuel sur le véhicule. Négatif. Alaoui était au milieu du convoi. Continuez d'avancer. Alors quand bizarrement on est concentré au fond. Sans sur la route. Je vois le véhicule d'Alaoui. Au milieu de la route. Ah là oui, c'est moi. Putain, vas-y, calme-toi. Laisse-moi faire. Tu calmes, on te fera aucun mal. La CIA? On a bien un accord? Un accord? Pas avec nous. T'allais où? Foutaise pour monter. Votre homme allait me faire sortir. De qui tu parles? C'est à nous? Non, c'est pas irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Vous nous emparpérez, on continue comme ça. Allez. Ok. Une petite mission, on voit les détails. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre Madame se fermait. Harrow. A-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas, de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires, oh, et c'est... ça, je sais. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. Mais je crois que c'est pas du tout fini. Qui sont ces gens? Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloc 9, exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question. Barrage, tu m'entends? On se dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Fais chier, Troy. Sage décision. Case, commençons par les affaiblir un peu. Alors, maintenez la flèche de haut pour ouvrir l'équipement. D'accord. Au boulot, Case.
Bam. On a une ouverture. Allez, en avant. Il y a des bombes. Ces types du Panthéon sont costauds. Ah merde, d'accord, ouais. Là, je voyais pas du tout. Allez, première fois que je meurs. On a une ouverture. Allez, en avant. Ces types du Panthéon sont costauds. Case, dans le canyon. On doit foutre le camp d'ici tant qu'on le fait. Barrage, on n'est plus très loin. Barrage, réponds-moi. Vous êtes sûr qu'il sera là ? Contente-toi d'avancer. On fait des cibles faciles ici. On n'aurait aucun mal à nous descendre. Non, un coup de lance-roquette, t'es sérieux? Ah ouais! Bon, je vais prendre la batteuse parce que je pense que recharger,
C'est ça qui peut faire pire de... Ouais, mais attends, j'ai pas de... On te suit. Barrage. Je crois qu'on est bon. Tout le monde va bien? C'est votre... Non, 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 non! Adler! Lâche ça! Pourquoi tu l'as tué? T'es en cavale depuis quoi? Dis-moi. Marshall, hein? Le nouveau projet de... Adèle. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Jane? Tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de l'Anglais. Wouh! Seiya est compromise. Et pas par moi, je ne suis pas commissaire. J'espère qu'on va te croire. Hey Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai un message pour Wood. Ah ouais? Putain! Dites-lui. Prends la tour. C'est quoi encore ces conneries? Faut y aller. Dans le véhicule. Oh, première mission. En russe. Hey, allez, passe-moi le roquette! Ah ouais! Ah mais en là, c'est bâtard. Aucune menace n'est visible dans le ciel. On est bon. Allons nous faire remonter les bretelles. Ouais. Ça je sais bien. Adèle. Ça on se souvient bien. Monsieur, malgré ce manquement. Adèle, c'était le boss, bah le capitaine. Est une véritable aubaine. Dans Call of Duty Warcraft. La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose. Russell Adler. La taupe qui nous a trahis au Panama. L'homme responsable de votre situation actuelle, monsieur Wood. Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweït? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Très bien. D'après le rapport que Harrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? C'est du foutage de gueule. Et vous, madame Harrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. C'est grâce à des types comme Adler et moi si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée. Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce sera tout. Sortez. Mon bureau dans 5 minutes. Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall. Je l'aime pas. J'ai envie de le buter. Tu admires ton travail.
pensais pas que tu le garderais. Tous les souvenirs ne sont pas bons à acheter. Pourquoi on est là, Haro ? Parce que vous savez quelque chose. Vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de mijoter. Les enfants et moi, on a besoin de prendre du recul. Putain, c'est dur, c'est chaud. Vous évadez un peu. Réfléchis à tout ça. Écoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux. Mais si les choses tournent mal, vous devrez vous débrouiller. Entendu. Je t'en dois une. Une ? Ouais, des dizaines, tu veux dire. Rends-moi service, Troy. Évite de te faire tuer. Je vais voir ce que je peux faire.